me laisse emporter. Je suis en toute sécurité, aucun moyen de me noyer. Car il m'a déjà sauvé, il m'a restauré. Dans mes difficultés, c'est sur son amour que je peux compter. Puis cela, toutes les facultés qui ont permis que je sois sauvé. Par son acte à la croix, toutes mes chaînes sont tombées. Merci Yahweh. Son amour durera toujours à travers les générations. Son amour durera toujours en toute situation. Son amour durera toujours à travers les générations. Son amour durera toujours en toute situation. Mais qui pourra me séparer de l'amour de mon Dieu, celui qui créa la terre, la mer et les cieux? Serait-ce la peur, la faim ou la tribulation? Serait-ce les armes, la nudité ou la persécution? Mais qui pourra me séparer de l'amour de mon Dieu, celui qui a offert son fils pour m'ouvrir la porte des cieux? Ni la mort, la vie, le passé, l'avenir, non, aucune puissance, non, aucune créature. Son amour durera toujours à travers les générations. Son amour durera toujours en toute situation. Son amour durera toujours à travers les générations. Son amour durera toujours en toute situation. En lui je suis tranquille, mon cœur est en paix. Pourquoi être hostile à cet amour parfait? Elle est inconditionnelle, personnelle, non charnelle, mais surtout